Tarsis. Je vais passer en capture de jeu. On va faire OK. On va faire capture de jeu. On enlève ça. Voilà. Après, je vais quand même marquer ici qu'on va jouer à Tarsis. Tarsis, puis on va rajouter un petit TFR devant. Voilà. Ah d'accord. On n'a plus le droit de mettre le... Si je fais comme ça. Ah, j'ai pas le choix, je peux plus mettre le FR, d'accord. Alors non, il est en français. Peut-être pas l'intro alors. Option. Ah, c'est bizarre. Language. Français, voilà. Ok, eh ben... Oh, ils ont rajouté un truc, les missions. D'accord. Parce que moi, je connaissais juste le jeu de base. Après, on verra bien. Allez, go, c'est parti. Welcome to the Atomi. This briefing will give you a basic understanding needed to ensure the safety and success of our mission, to research the anomaly on Mars. Above all else, it is your job to keep the ship and the crew functional and well. We don't know what to expect from Tharsis, so we have to be at our best once we make planetfall. Okay. Regular maintenance keeps our ship in good working order. Performing maintenance tasks is done by using a crew member's dice to combat any problems that arise. Ok, mais ça commence. The crew member's remaining dice are shown here. D'accord, des et des. The Pia Musgrave only has one die. It's unclear if she can fix either event on her own. J. Cross will have to. Move Cross to flight control. Since that event can cause damage to the Atomi, click on Cross's portrait, then click on flight control to choose the module. Finally, click deploy to move Cross into the module. Ok. Alors après, donc, on le prend. Oui. Faut l'attraper où? D'accord, double clic. D'accord. The Atomi's hull integrity and impending damage caused by events are visible on your HUD in the upper left. Don't let this run out, or we're all dead. D'accord. Serrage au frein de désarrimage. Le donkeur de dévirage qui contrôle ont commencé à se desserrer suite à des erreurs de vol. Ok, donc... In the middle HUD, you'll notice how much work has to be done to repair an event. Work is done by placing dice into the repair slot. Roll the dice now and drag them to the event to fix the problem. Alors... Il faut un 4. C'est génial. J'en ai pas. Bon, j'en ai un. Deployment to end J. Cross's turn. Since Musgrave is low on dice, let's use the life support module to get her some more. Click on Musgrave's portrait, then click on life support to choose the module, and click deploy. Each module has an ability that can help the ship or the crew. Using module abilities is handled similarly to fixing problems on the ship. Roll now and place a die in the module ability slot to replenish some of Musgrave's dice. Each module ability requires a die of a specific value be used. Note the iconography to see which dice are valid. Elle a qu'un dé, elle peut pas y arriver. Each
module will help the crew in a different way. Learn how to use module abilities to increase our mission's chance of success. Now click on Finish Deployment to end Mapia Musgrave's turn. Now that everyone has finished with their tasks, the remaining active events will play out. If J-Cross hadn't fixed the event in flight control, it would have caused damage to the ship's hull at this time. There are several types of events, including those that cause harm to the crew, reduce the crew's dice, deplete resources, damage the Ectomy, or cause module systems to fail. Learning which events to let carry over from turn to turn will greatly increase your likelihood of success. Managing the crew's wellness is one of the most important aspects of the mission. Keep the crew's health up and stress down. Okay. Low stress will keep our choices during this phase reasonable, while good health will keep our crew alive. If a crew member's stress becomes too high, they may slip into space madness and start making choices that harm themselves, the ship, or the rest of the crew. Ça, c'est génial. Decide what you want to do and leave the phase when you're ready. Donc, moins 1 au vaisseau, on risque d'endommager le vaisseau, mais on a vraiment besoin de nourriture. Ou alors c'est plus 10%, plus 2 dés, ouais. Ouais, plutôt ça. Giving food to a crew member will replenish some of their dice. Drag and drop food and then click finish. D'accord, bon, on va le faire. Ouais. When a turn begins, it's best to take in the entirety of the situation before rushing to action. Seeing everything from a bird's eye view will allow you to develop a solid strategy. In this situation, Cross should be able to take care of the system failure in the pantry. But first, let's have Musgrave fix the new event and life support so Cross can pass through to the pantry unscathed. Passing through active events causes the crew to take damage. D'accord, donc... Oui. Since Musgrave is already in life support, and since leaving will cause her to take damage, let's fix this event and make a risk-free path to the pantry for Cross. Deploy Musgrave and fix the event now. Ok, on va lancer des DD. Alors, il faut un 5, c'est génial, j'en ai pas. J'ai mis les dés en faisant 2, 4. Non, je peux pas. Ah oui, il faut finir ça avant. Je crois qu'en fait, on peut faire... Tac, oui, voilà, d'accord. C'est vrai, événement terminé. System failure in the pantry to get food distribution up and running again. Move Cross there now and take care of it. Ça va, c'est pas très dur. Ah, d'accord, ils ont mis des petites animations aussi, j'avais pas fait gaffe. Alors, bon, un 4 aurait été mieux. Garde manger le module a été sérieusement endommagé. Remédie à la situation pour restaurer ses capacités. Has their own specialty, and their abilities can be used to help the crew fulfill the mission. Place qualifying values in the character ability slot to use these abilities. Now click on Finish Deployment. Je peux pas placer là aussi. Ça ferait plus de nourriture. Ok. Alerte de proximité, météorite. Non. Ah ben non. Ah ben non. Sérieux. On a cassé. Ok, voilà, alors là, alors un groupe de micrométéorites a endommagé l'Ectomy et tué deux membres d'équipage. J-Cross a été éjecté dans l'espace et ben, Musgrave a succombé à ses blessures. Votre nouvel objectif, survivre. C'est sympa, dans les deux qui nous ont servi au début, ils se font défoncer.
C'est pas mal. Alors, on a deux bonhommes. Lui, il a plus de dés. Ce serait intéressant de le ramener ici pour essayer de récupérer des dés. Lui, c'est plus un dé à l'équipage dans le module. Ok, là il faut faire 8, là il faut faire 9, il y a 3 dés. Alors déjà, on pourrait déplacer lui ici. Keep an eye on your assists, which block the effects of hazards. Stasis hazards prevent dice with matching values from being re-rolled. Ah oui, il faut pas faire Void des 1 ou des... Oh hazards là là, ça c'est remove pas dice cool ça. from play. Injury hazards cause health damage. Assists automatically replenish at the rate of one assist per round. C'est bien, déjà je fais un 3. Like, but aren't sure where you want to use it. Place it in the dice hold area while you re-roll your other dice. On va relancer. Ah, bon, il a été détruit, mais j'ai ce qu'il faut pour... ici, ça fait quoi? Ça augmente le bouclier du vaisseau. Ok. Donc là, j'ai événement terminé. Donc ça, c'est plutôt bien passé. Après, ici, à 8, on va prendre la spécialiste, plus un nouveau lancé. On va aller ici. Faut faire 8. Ah mais sérieux, j'ai vraiment pas de bol hein. 5, 2, et on va être obligé d'envoyer un autre personnage. Pourquoi je peux pas le... Ah si, je peux l'utiliser, c'est bon. C'est qu'on peut juste ne pas le relancer, d'accord. Donc terminer le déploiement, donc ça c'est nickel. Toi, t'as qu'un dé. Donc normalement ici... Ou alors je vais ici. Comme ils sont plusieurs, je fais un 5, plus un dé à l'équipage dans le module. Comme ça a donné des dés supplémentaires aux autres. Et elle, je vais l'amener ici. Qui normalement c'est plus un. Ah non, c'est des points de vie ici. Mince. Non, c'est regagner des dés, c'est là-dedans. Donc on va lui faire lancer. Alors c'est vrai qu'on peut stocker les dés. Allez, je relance. Ok, c'est nickel ça. Voilà. Allez, et c'est parti. Maintenant, il faut essayer d'arriver. Alors, 30 pour tout l'équipage et moins un au vaisseau, ou plus un au vaisseau et moins un PV. Pour le moment, ils sont à fond en points de vie. Bon, il faudra faire gaffe avec le mécanicien parce qu'il n'en a pas beaucoup. On va peut-être aller le soigner. On va faire plutôt ça. Alors c'était que les deux, hein, je crois qu'ils ont pris. On va redonner... le docteur est à fond. Est-ce que je lui donne 3D? On peut voir le vaisseau. Ah, d'accord, bon. On va garder la bouffe, au cas où. 13 et 12. What? Ok, c'est pas ça que je voulais voir, mais c'est pas grave. Alors, on va envoyer à 13. On va 12 ici, et après je peux envoyer le reste là-bas. Allez, le docteur, tu viens ici, on va te déployer là, en priant que tu perdes pas tes dés. Ah, bah c'est assez génial ça! Oh le jet de merde! Bon, je fais les 12 quand même. Mais j'ai réussi à faire 4-3 quoi. C'est dégueulasse. Ok, on va relancer le dernier dé.
Utilizing research as part of your core strategy is a powerful tactic. And it's also a great place to stash leftover dice. Placing a die in the research bank adds 1 point to the research pool. You can then spend those points on research projects to help better our chances of achieving mission success. Ok, on va le laisser ici. Ok, terminé. Donc celui-là il était réussi. On va prendre le mécanicien. On va le faire aller là-bas. Dans la série, j'ai du bol. Ça commence bien. Un mort direct. Double 4, bam. Allez, c'est bien. Non, mais j'aime bien. J'aime bien. Sympa. Sympa. Allez, lui aussi va mourir. Non, mais c'était pas mal. Sympa. je pense que la mission est fortement contrariée. Allez, fais-moi 2-4 pour... Et là, ce serait la totale. Bim. Tu prends quand même sa blessure. Hein. On va utiliser le 2 et on va stocker le 4. Non, mais c'est sympa. Alors, choisir plus 1, plus 20% ou plus assistance et moins 1 à la coque du vaisseau. Mettre du stress, ce serait pas terrible. Donc, surtout qu'il y en a un qui est pas loin en stress. Ouais, là, on va utiliser la bouffe. Pour avoir plein de dés. Parce que là, le problème, c'est que... on a un personnage de moins dans... Oh mon dieu, 27. 27. What? Bon, toi, tu vas aller ici. Alors ici, c'est pour récolter de la nourriture. Ok. Ah oui, ça donne plus ou moins de dés selon... ok. Super. Déjà, j'ai mon assistante qui prend... mon assistance qui prend cher. On va relancer. Ok, ça c'est pas mal. Je pourrais mettre le 6 ici. Et ça me permettrait d'avoir de la bouffe. Ce qui est plutôt pas mal. Après, on va envoyer les deux là-bas. Et on va essayer de faire le 27. Et là, c'est améliorer l'assistance. Ok. Bon, déjà, c'est pas dégueulasse. On a déjà fait 11. Waouh, c'est pas mal, là. Ça va laisser plus de chances pour l'autre de, de réussir. Et de pouvoir mettre des dés de côté. Ok. Allez, un petit 5, c'est bon. Bon, après, j'ai les deux qui sont bloqués, malheureusement. Le 3, eh ben, on va le mettre là. Et le 1, il sera perdu, puisque j'ai rien pour derrière. Allez. Bon, on fait ce qu'on peut, hein. C'est dur. Alors on peut faire du cannibalisme, je crois. Alors plus de moins un dé pour tout l'équipage ou moins 2 au vaisseau. Moins un dé, c'est chaud quand même. Hein.
Plus de PV, on s'en fout. Plus moins d'eau au vaisseau. Alors on va tenter ça. Alors on peut cannibalisme. J'adore. Is still in the medical bay and has been well preserved. What is more important? The mission? Or our C'est énorme ce jeu. Il est énorme ce jeu. J'adore. Bonjour, je te laisse des choix super sympas. Bon, j'ai 3 dés sur chacun. Gâché. Ou moins 1 PV max pour lui. Allez. Et on va en mettre le spécialiste, c'est plus 1, peut faire plus de lancer. Parce que là, de toute façon, pour arriver à survivre, 16-10, ça peut, on peut s'en sortir. Alors, le celui-là, faut qu'on le réussisse, sinon, on est mal. Et là, c'est moins de santé, c'est pas mal aussi. Donc, on va aller là, on va déployer. On prend pas de dégâts, donc on va lancer. Oula, oui, c'est vrai qu'il a aidé en sang maintenant. Je pourrais avoir des jets de dés encore plus pourris. Non, ce serait pas mal. Bon, les deux sont bloqués. Je vais en caler un là. Je vais caler l'autre ici. On va relancer. Espérons faire un score un petit peu mieux. Ok, ça fait ça. Donc il faudra de toute façon envoyer un autre personnage. Il n'y a pas le choix. Le docteur y est déjà pour 3D. Ou alors je l'envoie ici. Alors avec 3D pour faire 3, je pense que ça devrait aller. Si on peut rendre des points de vie et améliorer l'assistance, ce serait pas mal. Allez. J'ai juste un 3 à faire. C'est bien. J'ai perdu un dé. J'adore. Et j'en ai un qui stagne. Et ben on n'a pas le choix. Et le lancer, ça sert à rien puisqu'on peut pas le relancer. Bon, et là, on va aller ici. Ici, c'est regagner des dés, régénérer les dés du membre de l'équipage actif. Il faut faire 10. Si on a un peu de chance, voilà, on devrait pouvoir le faire. Elle s'est pris une blessure. Waouh, 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 waouh. Dés nécessaires, c'est gagné, c'est faux 2. Hein. Ah, mais il n'y a plus le problème. On va relancer les dés. Ben, c'est parfait. Allez, on va lancer en prévu. Si je fais un 5 ou un... Oh, 5 ou 6, c'est bien ça. Voilà. Bon, on s'en sort. Ah oui, j'ai la... Désolé pour le lag, j'ai encore ma connexion qui a sauté. Alors je vais attendre un peu le temps que ça remonte. Parce que là je suis à moitié de ma connexion, je sais pas. Cet après-midi j'ai fait ça pendant une vingtaine de minutes ou un quart d'heure, 20 minutes. J'ai pas eu de soucis et là... Je vais attendre que ça remonte. Quand ça veut. J'ai vraiment un problème parce que j'avais pas eu ce problème là avec YouTube. Et là, au bout d'un quart d'heure. Non, ça oui, ça fait quand même déjà 40 minutes. Enfin, moins 10. Ouais, ça fait 26 minutes, on va dire, que ça a commencé. Et ça veut pas remonter. J'ai tout coupé les. Téléchargement et autres, et ça me refait comme d'hab, ce qui est assez casse bonbon. Faudra que j'essaye, je verrai pendant la semaine.
La connexion doit avoir chaud aussi. Peut-être, parce qu'on crève, c'est l'horreur. Là, j'ai le ventilo qui tourne depuis... Ouais, depuis ce matin, ça arrête pas. C'est horrible. Et ça veut pas remonter. Donc j'attends encore un peu. Ça descend même encore, c'est horrible. J'aurais pas perdu la connexion, non? Non, non. Pourtant, j'ai la box qui est toujours là. Il y a la fibre qui est en train de s'installer dans le coin, mais je pense que je vais pas la voir avant... Pouh! Je sais pas combien de temps. Parce qu'il faudrait qu'il l'installe dans l'immeuble où je suis, et là... Bonne chance. On va voir, je vais prendre... je vais regarder, c'est ça. Est-ce que c'est pas ça qui foutrait la merde? Je vais le couper, on va voir. Non, ça s'en fout. Ça doit être... Je pense que chaque fois, je dois avoir un truc sous Windows qui doit faire chier. Parce que quand j'essaye d'autres moments, j'ai pas le problème. Oh, c'est dingue, ça. Tester des trucs, mais ah, ça me saoule, sérieux quoi. Et j'ose pas aller appuyer sur un truc là, j'ai vu parce que j'ai peur. Consommation des données, on peut savoir qui consomme. Ah, ça y est, ça a remonté. Bon. On prie. Alors, donc, bah, je vais faire moins 1 dé, 40% de stress. Là, je pourrais donner à bouffer, et là aussi. Donc, le docteur, on va lui donner à bouffer. Voilà. Et on va terminer comme ça, et on va voir. Bon, je pense pas que j'arrive jusqu'au bout, hein. Oh là 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 là, 20, bon, le 9 ça doit aller, mais alors le 26, what? Allez, viens ici toi. Le docteur, tu viens ici. Putain, ça fait des dégâts. C'est-à-dire que je fais un 2, un 5, il est mort. Bon, il y a l'assistante qui est l'assistance qui a aidé. Donc c'est déjà pas mal. Alors ça ferait 5. Réparation du vaisseau. Oh mon dieu, il y a 3 points de dégâts. Ça fait encore 10 de plus. Et il resterait plus que 11 à faire pour l'autre. Allez. Le problème c'est que j'ai plus d'assistance. Lui il a 2 points de vie. Combien il lui reste de points de vie à lui? 3 points de vie. Il devrait s'en sortir. 11 en 3D, ça doit être bien. Ça doit être possible. C'est nickel, c'est possible. Bon, il s'est pris une blessure quand même. Allez, je vais le lancer. C'est bon de toute façon. Allez, ouais, reste sur le 5. Plus un dé à l'équipage dans ce module. Ils sont deux. Ça leur fera un dé chacun en plus. Ça, c'est plutôt pas mal. Bon, maintenant, il me reste plus qu'à faire 9 avec 3 dés. Et faut pas qu'elle se prenne un dégât. Alors, pour être tranquille, je vais faire ça. Je vais l'utiliser. Ça me permettra d'avoir une assistance. Ok, là j'ai espéré pas prendre de blessure. J'en ai déjà une, j'en ai deux. Non mais sérieusement. Sérieusement. Bon bah je suis mort de toute façon parce qu'on va se prendre le dégât. J'adore. Dégât imminent. Au revoir. Perdre parce que j'ai la malchance au dé. C'est génial. J'adore. Ah, le vaisseau se disloque et il va exploser. Non?
Ok, tour survécu 5, événement terminé 18, équipage atterri sur Mars, ben 0. Voilà, fuselage du vaisseau, nourriture, recherche 4, équipage mort 4, bah oui, repas humain 1. Alors, ok, stress 26%, score final, voilà. Bon, on va en refaire une, hein, de toute façon. C'était le premier test. Alors le jeu est vraiment dur, hein. Je sais que mission c'est quoi ça? Oula! Alors je ferai ça plus tard. On va continuer sur une partie standard. Alors on peut choisir. Alors non, on va se mettre en mode facile, hein. Déjà qu'on passe pas le mode facile, alors. Après, on pourra débloquer les personnages. Là, c'est gagner 300 points de recherche. Faut faire 2100 points. J'ai fait 129. Faut remporter la partie. D'accord, bonne chance. Faut récolter 20 nourritures et faut manger 120 repas humains pour avoir le cannibale. J'adore. Ok, bon, on n'a pas trop le choix après dans les autres bonhommes. Donc, c'est parti. Je vais boire un petit coup quand même. Hop, espace, ça on s'en fout, on l'a déjà vu. Ok, ah bah dis donc. Alors un groupe de machins, donc ils nous refont le même survivre. Alors, faut arriver à faire 11 et 10. Alors, on va ici. Donc déjà, il n'y a pas de dégâts, donc c'est déjà pas mal. Donc on va ici, on espère qu'on puisse faire 11. Hein. Non. J'ai 3 et 3 et 2. On va relancer. Pour essayer de faire plus gros. Ok. On va mettre ici ça. Ça. Allez, on met ici un. Voilà. On va terminer le déploiement. Il reste 3. On va prendre celui qui a un dé. On va le mettre ici. On prie. Hein. Et on lance. On n'espère pas faire un. Non, on voudrait faire un 3, s'il vous plaît. Bon, on fait un 6. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc l'événement ici, tranquillou. Et il nous reste 2 pour faire 10. Alors ça ferait moins un dé. Bon. 6 et 5. Ça. C'est plutôt cool. Et le dernier, alors je sais plus où c'est pour la nourriture. Alors c'est dommage, plus 20. Je crois que la nourriture c'est ici. Et plus un PV, elle est à l'équipage, ils sont déjà là, ça les fera monter. Je crois qu'ils sont déjà bien haut. C'est pas grave, plus ils sont hauts, mieux c'est. Générer les membres, plus un PV à tout l'équipage dans le module, bam, on va relancer le dé, on fait un joli petit 5 qu'on va caler ici, et voilà, on va terminer le déploiement. Bon, première phase passée. Alors, moins un santé pour tout l'équipage, plus un dé pour tout l'équipage, ou plus dé pour nous et moins un dé pour tout l'équipage. Alors, on va plutôt faire celui-là, c'est pas grave, il n'y en a qu'un qui se rabat, il faudra faire gaffe. Mais plus un dé à tout le monde, c'est quand même super intéressant. Niveau bouffe, lui il a qu'un dé, donc on va éviter à lui donner. Lui il a beaucoup, c'est le docteur. Allez, hop, on va lui donner la bouffe. Ok, on en a un à 9. Et ça fait pas de dégâts. Donc on va l'envoyer ici. Ah, ici c'est régénérer les dés du. Ah, ok, donc c'est regagner les dés. Allez, si on pouvait faire 9 tout de suite, ce serait bien! Parfait! Voilà, ça donnera plus de choix pour les autres. Donc ici c'est regagner des dés. Ok. Après. Alors là, ah, mais la bouffe c'est là, d'accord. On va envoyer le docteur là-bas.
Avec 5D, ça devrait aider. Ok, on a une assistante, ça c'est dommage sur du vide. Allez, on tente. Non, c'est l'autre. Voilà, et on va relancer le dé en espérant faire 5 ou plus. Parfait, donc plus un PV à l'équipage ou améliorer l'assistance. Ouais, on aura une assistance à fond, ça aidera pour la suite. Ça, c'est pas mal. Bon, et ben là, on va pas se gêner. Alors le capitaine, il a quoi comme pouvoir? Plus un dé à l'équipage dans le module. Alors on va aller là, on va essayer de récupérer de la bouffe. Si possible. Elle a encore deux lancers. Allez, on garde le 3, on relance. On fait un 4, on va relancer. Je refais un 4. Alors on va caler le 3 ici. Je vais mettre le 4 ici. Et nous allons prendre le dernier qui va aller là. Et on va essayer de faire un 3 et un 5. Bon, ça déjà on l'a. Plus un dé à tout le monde. Allez, un 3 s'il te plaît. Ah, sale bête. Plus un dé à tout l'équipage. Éviter les blessures. Bon, on peut poser que le 2 ici, malheureusement. Je crois pas que je puisse. Ouais, non, faut faire des trucs identiques. Bon, bah c'est dommage. Ok, alors, moins un au vaisseau, ou moins plus un nourriture et moins un PV. Ouais, ils ont beaucoup de points de vie, donc on va faire ça. Après, lui, il a pas beaucoup de dés, on va lui donner. Ça lui permettra d'avoir plus de possibilités. Et go. 14, 27. Oh, le 27 là qui. Alors, ça. Ça bloque que les dés, donc on va pas gêner, on va l'envoyer ici. Il ne risque pas de prendre de dégâts. Alors ce serait bien de faire du gros score, parfait. On relance. Ok, un 5, ça c'est top. Voilà. Je suis à 9, ça c'est bon. On va prendre lui. Pour essayer de le soigner au passage, avec 4D, ça devrait être possible. On n'a que 9 à faire, c'est bon, les 9 on les a. Et maintenant, il faudrait que je fasse des 5. 5 ou 6. Eh ben non, le jeu a dit non. Eh ben on va le mettre ici. C'est pas grave. Oui, je pouvais pas relancer les dés de toute façon. Après, il faut faire 14 là-bas, il n'y a pas de dégâts. Allez, c'est parti. 14 avec tous les dés, ce serait bien direct. Bon, déjà j'ai le 1. Non, il n'a pas été bloqué. Allez, un petit 5. Hein, le petit 5. Bon, ça se passe mieux que sur l'autre partie quand même. Hein. Alors, eh ben, on va la laisser ici. Et on va essayer de récupérer de la bouffe. Merci. Non mais sérieux. Voilà. Bon, ça se passe un petit peu mieux. I've checked our food stores and it looks grim. We lost more than half our supplies with the module. If we don't find some creative solutions, we'll starve before we ever reach Mars. Ah, et puis c'est là qu'il y a le cannibalisme qui arrive. Alors, plus un nourriture, moins un dé et moins de 30% de stress et moins 1 au vaisseau. Ouais, on va plutôt faire ça, parce que perdre des dés, là, c'est pas une bonne idée. Après, en bouffe, on peut faire ce dé-là. Ah, ou le cannibalisme, là, il est pas de la dernière fois, il y en a un de moins. C'est marrant, ça. Allez, on va faire comme ça, en espérant pas avoir des trucs trop balèzes. Alors là, il y a du dégât, donc on va pas envoyer lui, et il y a du dégât ici aussi. Alors, dans un premier temps, on va envoyer ça ici. Quoi qu'il y a lui qui est déjà. Putain, et puis en plus on se prend des dégâts de psychopathe. Non, on va envoyer là-bas, elle. Si on peut faire
16 avec les 4D, ce serait plutôt cool. Putain, je suis 2-3 quoi, sérieux. On va essayer de relancer. Espérant faire 4, il va me manquer un, dommage. C'est pas grave. Lui, on va le laisser là. Celui qui a qu'un point de vie, on va l'envoyer là-bas. Mais je vais me rajouter un assistance pour au cas où. Bon, après, je vais faire un double 1, c'est ça? Non, c'est bon, j'ai pas fait double 1, c'est déjà pas mal. On va foutre le 3 là-dedans. Alors, récupération de santé, il me faut faire un 5. Au moins un 5. Bon, un 6, c'est nickel. Et le 1, je peux le caler ici. Ça c'est bien passé. Il va récupérer un point de ville, monsieur. Ou plusieurs, ou plus même. Ok. Donc il me faut faire 15 là-bas. Allez, on démarre. Ah putain, la blessure qui défonce. Bon, c'est pas grave. Il me reste plus que 7 à faire avec le dernier personnage. Et là, triple 3. Oh, le 7, c'est limite. On va le faire, hein. On va pas prendre de risques. Il y a le capitaine qui est pas bien. Moins 2 au vaisseau. Parce que là, plus 1 nourriture, moins 1 dé, c'est pas terrible. Donc on va plutôt celui-là. Et je crois que si je fais pas assez de dé, il va manger le monsieur. Je pense qu'il y en a un, il va y avoir du cannibalisme. Oh le capitaine, hein. Voilà, toi t'aimes bien être cannibale. Alors, il y a le 24, alors il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas de dégâts dans aucun. Donc ça, c'est déjà pas mal. Allez, on va envoyer elle ici. Éviter la stagnation pour 4. Ou plus un dé à tout l'équipage. On va voir. Allez. 24. Non, mais sérieux. Sérieux. Je pouvais pas faire un jeu pire que ça. Putain, 17 à faire avec. Ah, je pense qu'on va prendre 2 points de dégâts. Alors, on va voir si lui j'arrive à faire 14 avec 3D. Faire 9 avec 2D. On tente, hein. De toute façon. Au pire, les dés stagnent. Ouais, voilà. Donc, bon, on va prendre cher. C'est lequel qui fait 2 points de dommage? C'est celui-là. Alors, on va l'envoyer ici, le monsieur. On va essayer de faire 17. En essayant de... Bon, c'est bon. Ok. Je m'ai dit, d'accord, ok, c'est bon. Cette fois-ci, t'auras à manger. Salut, Miss Sakura. Bienvenue sur le live. Alors, petit jeu Tarsis sur lequel je démarre. Ok, dégâts, aucun dégât de déplacement. Et sinon, plus un dé. On va faire, si on peut, celui-là. C'est bon, j'ai 5. Allez, fais-moi un joli petit... C'est ben non. Eh ben non! Je peux pas cumuler. Je suis dégoûté. Eh ben c'est pas grave. Bon, pendant pas de dégâts, mais on est vraiment pas bien du tout. Je sens que je vais avoir un... It's designed for the Ectomy. Nobody has them but us. So who
Alors, plus à nourriture, moins un au vaisseau ou que 30% de stress. Bon, ils n'ont pas un stress qui est énorme, donc. Mais j'ai pas de bouffe. Alors, est-ce qu'on va en rendre un autre cannibale? Au point où on en est, hein? Il perd un en point de vie. Oh, il perd un maximum, d'accord. Un seul à la fois, ça suffira. Alors 19, 22 ou 23. Bonjour. Moins de santé. Alors, je sais pas si c'est dans la zone. De toute façon, on est obligé de passer par là. Donc, on est dans la merde. Faut que j'arrive à faire ces deux-là. Celui-là, il est mort. Et lui, ouh, c'est des dégâts là. Il y a des dégâts de partout, c'est horrible. Éviter des blessures pour 6. Plus un dé à tout l'équipage. On va le faire. Là, on va en avoir besoin. Bon, il s'est pris un dégât, c'est pas grave. Allez, en 3 détresse, ce serait possible. C'est possible. Là, il était gentil, là. Hein, sur le lancer de dé. Alors après j'ai 23 à faire. Il y a des dégâts, donc on peut pas envoyer lui pour le moment. Donc on va l'envoyer là. On va lancer le dé. Alors je pense pas qu'on fasse 23. Waouh, il a pris cher quand même. Aïe. On va tout mettre. Il reste 8. Le problème, c'est si j'envoie lui pour faire le. Enfin, il n'y a pas le choix de toute façon. Donc, on prie. Oh putain. Ça va être chaud, hein. Tout l'équipage s'en est pris plein la gueule, là. Tout l'équipage est très mal. Et là, ben, 1-3 et je perds le personnage. Il faut faire 19. Allez. Ah bah il y a le 3, donc c'est bon. Un personnage de mort. Sniff. Dommage. Donc on va prendre un dégât. Donc celui-là va rester. Et je pense pas qu'on fera le. On aura la solution cette fois-ci. Plus de PV pour moi, plus 1% de trèche. Empêcher la stagnation, moins un dé pour tout l'équipage. Non, c'est. Ah bah ils vont tous passer un petit peu cannibale sur les bords, hein. Tiens, regarde. De toute façon, c'est des points de vie max. Donc c'est pas grave. C'est pas grave. Allez. Hein, parce que là, on va se prendre des événements supplémentaires. Faut arriver à tous les réussir, sinon c'est mort. T'as 5D, toi. T'as beaucoup de points de vie. Putain, y a... Oh là là là, sur 4, 5. Mais c'est impossible. Il est impossible celui-là. Mon Dieu. Bon. Attends, on va t'envoyer là-haut. Ah, mais c'est mort. Hein. Ah bah on va le finir. C'est lequel qui redonne de la coque? Je crois que c'est celui-là en plus. C'est ça le pire. Parce que là sur 4, 5, 6. 4, 5, 6, on perd les dés. C'est génial. Ça nous fait disparaître les dés. Là, c'est récolter. Aucun. Regagner des dés. Réduire le stress. Réparation du vaisseau. Faut que je tente la réparation de la coque. Et encore, même pas. Hein. Je vais pas arriver à m'en sortir. Hein. Parce que là, ça fait 2 points de dégâts. Ah, c'est impossible leur truc là. Là, je peux que perdre. Ah, je suis dégoûté. On va tenter. Hein,
Ah, si, je peux avoir jusqu'à 3. Oh! Ça, c'est bon, ça. Je vais peut-être survivre un tour de plus. C'est déjà pas mal. J'ai eu du bol sur ce coup-là. Autant je vais le déplacer là, il va prendre un point de dégâts, mais ça, si je peux pas éviter, non, c'est... Faudrait que je puisse utiliser ça. Donc je vais aller faire celui-là. Il va prendre un point de dégâts, mais c'est pas grave, il est à fond. Je vais lancer le dé. En espérant arriver à faire les 10. Donc j'ai fait les 10. Je peux caler un dé ici pour avoir 4. Waouh! Waouh! Ça va être chaud, hein? Alors plus un moins un au vaisseau, ok, ou plus un nourriture et moins un dé pour tout l'équipage. De toute façon, ils sont tous cannibales maintenant. Hein. J'ai une nourriture quand même. Oui, j'aurai une nourriture. On va faire ça. On va donner 3 dés au monsieur. Parce que je pense que je suis pas loin de la fin là. Pour de viande, mais nous pouvons en produire. Ah oui, c'est vrai, on peut tuer quelqu'un. J'adore. Bonjour les gars. Bon, ok. Oh mon dieu. Ah ben je peux pas tous les réussir. Faut que j'arrive à avoir assez de coques. Faut que j'arrive à éliminer celui-là. Celui-là, au pire. Et le 18, que je dois pouvoir arriver à éliminer. Et lui, il faut qu'il arrive à gagner comme tout à l'heure. Non, je peux pas. Je peux en éliminer que deux. Faut que j'arrive à gagner 3 coques comme tout à l'heure. Donc on va le faire tout de suite. Si j'arrive pas à avoir les 3 coques, c'est mort. Alors j'ai 2-1. Allez. Yes! Ouh, on va peut-être s'en sortir! Allez, maintenant il faut que je fasse un 4 et un 5, ce serait le top. Non, mais c'est ça, ok! 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 Alors faut que j'aille éliminer celui-là et celui à 14. Et je devrais pouvoir m'en sortir. Alors le docteur, il va aller là. Pas de 5. Ou peu de 5, s'il vous plaît. Oh putain, j'ai de merde. J'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je le sens pas, hein. Sinon, faut que je fasse ça, mais c'est mort. Allez. 3, 6, 9. Il me manque 1. Alors, je vais peut-être faire ça. Je gagne 17. Je vais pouvoir remettre des dés ici. Ouais, et je vais pouvoir regagner des dés avec pour le monsieur. Et on prie. Un, deux, trois, quatre, cinq. Il faudrait que je fasse celui-là qui est qu'à 15. Ou celui-là à 8. Et il prendra un point de dégâts. Et ça fait réparer améliorer l'assistance. J'ai un d'assistance. Parce que celui à 18 va m'emmerder jusqu'au bout. Hein.
Et là, il fait quoi celui-là? Réduire le stress. Pour le moment, on s'en fout. Ils sont stressés à mort, mais c'est pas grave. Parce que celui à 18, je vais pas pouvoir le réussir. Parce que je vais perdre trop de dés. On va tenter celui à 15. Pas grave, il prend une blessure. Ok. Ça, c'est du bon dé. Parce qu'en plus, on va même pouvoir rajouter plus un au vaisseau. Mon Dieu! Mon Dieu! Uh-oh. Ah, je le sens pas. On peut pas s'en sortir là. C'est impossible. Parce que là, elle meurt. Merde, 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 je saigne. Il faut que j'arrête de saigner. C'est excellent. Ok, réfléchissons, il doit bien y avoir de la nourriture quelque part. Ok. Et on a tous besoin de souffler un peu, faisons une pause et reposons-nous une minute. Ça nous permettra de repartir du bon pied. Je suis le seul qui peut arriver à... Ah, il y a quand même moins un au vaisseau ou plus un PV pour moi. Il n'y a plus de bouffe. En plus, j'ai deux trucs qui restent. Ça va être impossible. C'est surtout le moins un vaisseau, quoi. Hein, on va faire ça. Non, je peux pas tuer, donc terminé. Bon, après, j'ai pas besoin de dés. Et là, on va se prendre combien d'événements? What? voilà, 26 où il faut réparer la coque. Je peux avoir combien? Ici je peux avoir 3. Ça fait 3. Et ici je peux avoir 1 grâce au mécanicien. Ça fait 4 de coque. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si je remonte à 5, faudrait que j'arrive à enlever 3 et en gagner 3 avec lui. Le problème là c'est que je prends des dégâts et ça va être super balèze. Je peux éviter les blessures, je peux enlever le stress pour tout l'équipage, je m'en fous. Pour un je peux reset. Ouais. 7 réparations modules. C'est quoi ça? Localisation des autosuffisants pour exécuter la tâche qu'il convient. Plus 3 santé à un membre. On va reset. Hein. Bon. Plus 2 assistance, ça sert à rien. Je suis en train de tout le gâcher. Plus 1 dé à un membre, plus 3 dé à un membre. Alors plus 1 dé à un membre, peut-être ça pourra aider. Mais là, je le sens pas du tout là. Allez. On va tenter. Putain, j'ai déjà un dé. Non, le dé a été protégé. Faut que je remonte la coque. Je peux pas me permettre de le faire, celui-là. Faut que j'arrive à faire un 5. Non. Allez, dernière chance pour avoir un 5. Non! Ah! Oui! Ok, j'ai remonté la coque. Ça, on va le caler ici. Faut que j'arrive à éliminer 3, 4 de coque. Je peux essayer celui-là avec elle, mais je crois qu'elle prend 2 points de dégâts. Non, moins un seulement.
On va prendre pas de dégâts. Donc on va faire celui-là. Faut faire 8, donc ça devrait aller. C'est bon, l'assistance a été là. Donc on va utiliser 5 et 3. Voilà. Je peux refaire un lancer de dés. Peut-être reset. Plus un au vaisseau. Oh mon dieu. Je vais relancer mes dés. Oh putain. Je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir. Je m'en sors. J'ai du bol. Je suis sûr de le passer. Mais après, je sais pas s'il n'y a pas encore un coup. Là, il faut faire 19. Et j'enlève un d'armure. Ah, il me reste deux coups avant d'arriver. Je me prends qu'un événement négatif pour le prochain. Waouh, 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 oui, c'est chaud. Plus 1, éviter le vide à 4. Ça sert à rien. Celui à 18. Non, je vais tenter celui à 19, hein, de toute façon. J'ai pas trop le choix. Putain, j'ai un dé qui se fait bloquer. Bon, on s'en sort déjà. C'est déjà pas mal. On va relancer de toute façon. Un 5, ce serait bien. Ok, donc je peux pas réussir. Donc autant rajouter un coq au vaisseau. Et j'ai un 3 que je vais utiliser ici. Pour me donner un en assistance. Et je vais reposer celui-là ici. Voilà. Mon dieu. Faut que je survive au prochain. Ah merde. Oui, mais oui, oui, c'est vrai qu'il y avait des dégâts. C'est une mission suicide. Ah bon? C'est bien, j'ai un mort, je vais avoir des dés. Ah ben, ok, j'ai un deuxième mort. Ah ouais, mais les deux, j'adore les choix qu'ils me donnent. Eh ben, elle meurt, hein. Tiens, ou plus 5D, d'accord, ça sert à rien, mais... C'est le mécanicien. Malheureusement, je pense que je peux pas m'en sortir. Plus 1 santé à tout l'équipage. Le problème, c'est que je peux pas faire éviter les blessures. Éviter le vide. Ah, oh, je suis dégoûté d'être si loin du truc. Et pas pouvoir réussir. Parce que je vais pas enlever un ici. Je vais pouvoir gagner un pour la coque. Donc je vais me retrouver ici et c'est mort. À moins que j'ai quelque chose qui me donne ici la possibilité. Faut que je tente, hein, de toute façon. Plus un, plus trois vaisseaux. Mon dieu. Il me faut 5D. Faut que j'arrive à placer les 5D. Et là on prie. Mon dieu. Mon dieu. Le jeu a été super gentil sur les lancers de dés. Parce qu'on va prendre cher. Ah mais non, il prend des dégâts à cause de ça. C'est con, j'arrive sur la planète mais tout le monde est mort. Allez, c'est dommage.
Zut. Ah, ce jeu est horrible. Ce jeu est horrible. C'est dommage. Alors, je vais quoi? Tour survécu 10, c'est dommage. Événement terminé 34. Ok, équipage sur Mars 0. Fuselage du vaisseau. Ok, nourriture. Équipage mort 4. Repas humain 7. Événement restant et stress 92. Ok. Bon, allez, encore une petite. Ah, c'est dommage. Là, c'était vraiment, mais à rien. J'ai pas un perso qui se débloque. D'accord, ah non, c'est pas... ok, récolter 20 de nourriture. Bon, donc j'ai toujours les mêmes persos. Allez, go, toujours en facile. Hein. Go. Alors, 8 et 8. Ok. Oui, bon, on sait que les deux autres, ils sont morts. Alors... Allez, parfait, merci. Voilà, c'est réglé. Problème là, on perd des dés. J'aurais peut-être dû l'envoyer après. Oh non, je perds le 5 déjà. Bon, ça va, je le réussis. Ah non, c'est vrai qu'il a été protégé. Alors pourquoi j'ai utilisé le 6? Parce que je vais faire comme ça, plus un coq. Voilà. Après, il me faut de la bouffe, si possible. Là, ça donne quoi? L'assistance, la récupération de santé. Pour le moment, non. Réduire le stress, on s'en fout. Regagner des dés, récolter de la nourriture. Il faut de la bouffe. Allez, un petit double là. Un 2, un autre 2, s'il te plaît. On va mettre le dé ici. Ah bah on va faire ça. Et le 2, on va le mettre ici pour le moment. En espérant qu'avec le dernier personnage, j'arrive à faire un 2. Pour avoir de la bouffe. Non. Plus un PV à l'équipage dans le module. Est-ce que je peux l'enlever le dé? Non, bref, je peux plus l'enlever. Je vais relancer. Ok, dommage, je fais un double 4 et ça m'aide pas. Zut. Ah ben, on va faire ça. Voilà. Et on va remettre le 4 ici. Bon. Ça on a déjà vu. Alors moins un, plus de assistance, moins un ou plus un, moins un dé pour nous. Non, on va plutôt faire ici. Voilà. Niveau bouffe, on va donner ici. Et on va essayer de récupérer les événements. Oh là, 25 quoi. Putain. Et là on peut avoir des dégâts. Non mais sérieux. Échec système. Ça fait quoi ça? Et panne SBRCA. Ben on va envoyer notre petite spécialiste ici. En espérant qu'elle arrive à faire les 16. Sans prendre trop cher. Ok. C'est parfait. Elle les a fait. Ok, on a déjà fini un. Là, ça bloque juste les dés. Alors le mécanicien, je vais peut-être le... Je vais essayer de faire... Non, j'ai 25 à faire. Faut que j'envoie les 3 à cet endroit-là, quoi. J'ai pas le choix. Ok, ben... Non, on va relancer le 3. Hein. Prions de ne pas faire un 1. Oh, ben c'est bien. Sympa, merci. Je pense qu'on va se prendre l'échec système sur les dents.
Capitaine, c'est plus un dé, d'accord. Ok, bon déjà on fait un joli 6. On va relancer, de toute façon j'ai pas le choix. Oh bah un petit 1 encore, bah oui. Tant qu'à faire, bon 17 en 2D, ça va être dur. Hein. Donc tant qu'à faire, autant le laisser ici. Et on va essayer de mettre de l'armure, parce que ça donne plus de là je crois. Alors je vais mettre le 6 de côté. Malheureusement j'ai pas réussi, donc on va faire un ici et on va mettre celui-là ici. Et voilà. Bon ça on les a déjà vus. Alors moins un vaisseau, moins 30, plus un nourriture, moins un dé pour nous. On peut pas descendre en dessous d'un dé. C'est déjà pas mal. Ah, je vais avoir besoin de bouffe. Hein. J'ai pas le choix. Alors, le mécano ou le docteur? On va mettre au mécano. Et on va voir qu'est-ce qu'on va se prendre sur la tronche. Moins un santé, ça c'est pas cool. Faut le réussir celui-là. 11, on peut le réussir. Centrifugeuse endommagée, on prendrait un point. Échec système, je sais pas ce que ça fait. Je la sens pas cette partie, elle est mal partie là. Et puis si je les fais déplacer, ils prennent un point de dégâts. Donc je pense qu'on va se prendre un point de dégâts, on va essayer de réduire celui-là. Encore une fois. On va prier pour voilà, un bon 6, on va pas se plaindre. Pas un 1. Ouais bon ok un 2. Super. Je suis à 9. En 2D ça devrait être possible ici. Et lui pour 11 il pourrait virer ça. Allez go. Tout le monde va prendre des dégâts mais... Alors le 4, faut que je fasse un 5 derrière. Je vais faire plus de lancers. Allez on tente. Hein. Et ben voilà. Ok, un événement de moins, on va perdre tous un point de santé, il faudra vite s'en occuper après, on va déployer ici. Ah bah je peux le soigner au pire. Allez. Non, 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 non. Putain. Le double 1 quoi qui tue. Bon c'est bon, j'ai déjà fait un 5. Ça lui fera récupérer des points. Oh, ça lui redonne tous ses points de vie. What? Ok. Alors, j'ai pas de dé, ça va être l'horrible. Allez, hop. Salut, Jojura 2. Enfin, Jojura. Alors, plus un santé pour tous les cas. Plus 20% pour nous. Ouais, on va booster les points de vie de tout le monde. Parce que je pense qu'on va pas arriver à le régler tout de suite. Problème, eh ben, vous allez devenir cannibale les gars. Ça commence bien. Hein. Tant que je n'arrive pas à récupérer... Oh merde, j'avais le capitaine aussi, zut. Alors, nous avons du 13 et nous avons du 17. Alors, il y en a plein qui sont avec beaucoup de points de vie. Putain, ils ont un stress de malade, ça va être chaud. Parce que le 27, on va se prendre des dégâts tous les tours. Donc là, de toute façon, le 17, faut le faire. Alors on va faire plutôt les spécialistes en premier. Ok. Déjà ça c'est bon. Il manquera plus que un petit 6. Je doute mais... Ou alors je fais ça pour pas prendre de risques. Non, on va peut-être le garder pour autre chose. Pas grave, si elle prend un dégât. Prendra un dégât. Non, allez, dernier. Et ben, 2. C'est bon, il y avait l'assistance qui était là, c'est vrai.
Alors, elle a presque terminé. Lui, il a beaucoup de points de vie. Il y a le capitaine, faudrait qu'il fasse un 4. Pas de bol s'il crève. Allez, 4 ou plus, s'il te plaît. 3, bam! Sa petite blessure, hein. Bah, je pense qu'on va faire le plus 5 santé à l'équipage. J'ai pas le choix. Et bien sûr, monsieur refait un 3. Ok. J'adore. Fous-toi de ma gueule. Faut qu'il arrive à soigner, sinon c'est mort. Allez, viens ici. Bon, il n'y a qu'un à faire, donc c'est déjà. Bon, il prend une blessure, c'est pas grave. On va faire ça. Il va donner plus un point de vie à tout le monde dans le module. Et on va mettre le 4 ici. Allez. Va peut-être s'en sortir. Ah, ça c'est le 27 ici est horrible. Il faut que je fasse 13 avec 3D. C'est possible, sauf si je me fais un peu trop stagner. Donc on va voir. Le jeu est avec moi, le jeu n'est pas avec moi. 3D qui stagne. Mouah. On va pas gêner, on va faire ça. Il va récupérer des dés, tant qu'à faire. Mais on va mettre celui-là ici. Et voilà. Donc ça, on l'avait déjà vu. Alors, plus un, moins un santé, plus moins deux dés, plus un nourriture, plus un dé, moins deux santé pour tout l'équipage. Ils veulent vraiment que je tue mon équipage, hein. C'est... Le seul que je peux faire, c'est celui-là. Alors, toi, tu vas te prendre plus 3... Non, t'as qu'un point de vie. Plus 3 dés. Et toi, tant qu'à faire, eh ben, on va te... Voilà, cannibale. Et là, on va se prendre des événements qui coûtent trop cher. J'adore. Alors, le mécano, on verra après. On va d'abord envoyer la spécialiste ici pour faire celui à 13. C'est bien, elle se prend déjà un point de dégâts. Il y a l'assistante qui est l'assistance qui a aidé. On va lui faire... On va lui faire utiliser. Voilà. Après, celui à 27, c'est trop chaud. Moins un dé. Putain, il y a 23. Moins un dé, ce serait trop dangereux. Donc, on va faire celui-là, si possible. Putain, j'ai tous les dés qui se font stagner, quoi. Je peux faire ça pour faire gagner 7. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce jeu est une horreur. Ce jeu est une horreur. Allez, on va faire ça. Ah, c'est 4 que ça coûte. Bon, on va les mettre. Mais je pense que de toute façon, j'ai un personnage de mort. Lui va y passer. À moins que pour récupérer les points de vie, c'est ici. Le truc que je préfère, c'est je vais faire lui ici. Essaye de faire les trois. Putain, obligé de mettre un 6, quoi. Le 2, on va le sauvegarder ici. Et le monsieur qui est là, le capitaine qui reste un point de vie, on va essayer d'aller le soigner. Ok, parfait. On va donner des dés à tout le monde. Et ça, on le pose ici. Voilà. Bon, point de vie, c'est bon. C'est le moins un dé à tout le monde que ça craint. Nobody has them but us. So who are they?
Ouais, l'histoire elle change un peu, c'est ça qui est marrant. Plus 1%, plus 1, moins 2 à tout l'équipage. Putain, il n'y a pas un truc pour avoir des dés là? Ah, mais là c'est moins 2 points de vie à tout l'équipage. Je crois que le stress, je suis dans la merde. On va faire celui-là. C'est... Putain, ça monte de 30% quand même le stress, quoi. Pas le choix. Non, on va pas tuer un personnage. Mais ça va être très chaud. Oh, mais j'ai la totale! J'ai la totale où je peux pas m'en sortir. C'est pas mal. Je crois que c'est le pire scénar là. Oh, mais bien sûr, avec 3 points de dégâts. Allez, prends-en 2 déjà. Bam! J'ai pas trop le choix. Plus 3 dés à un membre, non j'ai que 2 hein, de toute façon. Bon, de toute façon je prends un point de dégâts là, un point de dégâts là. Donc celui-là faut que j'arrive à le faire. Je vais être obligé de le faire en deux fois de toute manière. Donc on va mettre le 4. L'espérant. Oh bah bien sûr! Mais bien sûr. Allez, 10. C'est impossible. Ça va être impossible. Mon Dieu, et je fais que 9. Oh bah bien sûr. C'est génial. J'arrive pas à le faire. J'adore. Eh ben il me reste monsieur ici qui a un seul dé. Donc faut que je fasse un 3 ou plus. Bon, j'ai fait le 3, c'est déjà pas mal. Plus moins un dé. C'est même pas la peine. Je peux pas m'en sortir. Allez, on va faire juste pour le fun. Moins un santé, ça tue. On en tue combien? 1, 2. Ok. Il n'y a rien d'intéressant en fait. Ce serait con de la tuer parce que c'est elle qui a le plus de dés. Oh, c'est bien, mais en plus il y en a qui vont devenir complètement tarés à cause du stress. Pas mal. Alors, qui c'est qu'on va tuer? Qui sert plus à rien? Avoir beaucoup de dés. Le mécanicien faut garder le capitaine. Il donne des dés. Elle. Allez, on va. Vous pouvez sacrifier quelqu'un pour augmenter vos réserves. Oui. Comment je sacrifie? D'accord. Il a 2 points de vie, mais bon. Allez. Bonjour, aujourd'hui vous allez être un peu cannibale sur les bords. Voilà. Bon, je crois que c'est foutu. En plus, elle est là, il y a 3 points de dégâts potentiels. Ben, j'ai 8 à faire ici.
Allez. De toute façon, c'est le vaisseau qui va être détruit avant, de toute manière. Où est-ce que je pourrais l'amener? Je pourrais l'amener ici pour qu'il essaie de le faire, mais ça sert à rien. De toute façon, la coque, elle va exploser, quoi. Le moins de santé, c'est que je vais perdre ce personnage aussi. Bon, c'est pas grave, on va le faire aller là. Peut-être que lui s'en sortira. Quoi qu'il faut faire quand même. Oui, il prend pas de dégâts, c'est un miracle. Il reste 9. Allez, on va essayer de faire un peu plus gros. Non, même pas. On fait de même. Ouais, non, mais de toute façon, on peut pas s'en sortir. Bon, allez. Viens mourir ici, aux côtes. Allez, 1, 2 ou 6. Voilà, il y a 1, 2, 3 points de dégâts. Au revoir. Je crois qu'on n'est pas allé assez loin. Là, on se fait démonter. On perd des dés. La totale. Bon. C'est bon, je suis mort. Tour survécu 7, dommage, hein, c'était pas grand chose. Bon, je vais pas en recommencer une parce que ça fait, bah, ça fait 1h30, nickel, pile poil. Donc je vais partir sur le deuxième jeu et on va partir sur du...